Nouveau coup dur pour Céline Dion. Le 8 décembre 2022, Céline Dion touchait en plein cœur ses fans en révélant souffrir de la maladie de l'homme raide, une pathologie neurologique rare, qui provoque des raideurs musculaires et des spasmes incontrôlables. Alors que l'artiste a disparu des radars depuis presque 2 ans et tente de se soigner entourée de ses proches, une nouvelle pourrait bien la secouer. L'objet de ce nouveau tracas? Une biographie non autorisée sur la vie de Céline Dion qui devrait paraître sous peu. Le hic? Celle-ci contiendrait des informations inexactes selon la chaîne Nouveau. L'autrice de 10 mois Céline, Laurence Catino-Crost, prétend en effet avoir obtenu les confidences de la chanteuse, ce qui est faux selon nos confrères. Au micro de la chaîne Nouveau, l'animateur et chroniqueur culturel Mike Gauthier se révolte, avancer de telles choses et dire qu'elle a été en contact avec elle depuis 2021. Il faut être un peu insouciant et ne pas être au courant de ce qui peut se passer lorsqu'on va jouer dans les plates-bandes de Céline Dion sans sa permission, confie-t-il. Selon le chroniqueur, l'ouvrage semble surtout refléter la volonté de l'autrice de faire un coup d'argent. Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie. La sœur de Céline Dion donne de ses nouvelles. Céline Dion semble pouvoir compter sur le soutien sans faille de ses proches, à commencer par sa sœur Claudette Dion. Cette dernière a donné des nouvelles peu rassurantes de l'interprète de My Heart Will Go On auprès du Journal de Montréal, repris par le Daily Mail le jeudi 3 août 2023. Nous n'arrivons pas à trouver de traitement efficace, mais il est important de garder espoir, a révélé Claudette Dion. Depuis 2 ans, Céline Dion consulte les meilleurs spécialistes de cette maladie rare en vain. Je pense qu'elle a surtout besoin de se reposer, a affirmé la sœur de la célébrité. Un entourage très présent qui devrait aider Céline Dion dans sa guérison. Crédit Photo, agence. Step up.